ceux qui n'étaient pas là, c'est pour eux que j'ai fait un peu de tout pour planter le développement. Que même ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé puissent savoir suivre ce qu'on va dire. On essaie de faire. Quand cette grande bataille s'est engagée sur terre, il a fallu qu'il y ait un lieu commun de rencontre. Vous voyez, le prophète essaie d'expliquer, c'est la plus grande bataille jamais livrée. Il a livré cette prédication. Il essaie d'expliquer. Les œuvres sont l'expression de la foi prêchée, le verset 6, 11 et moins 65. Du paragraphe 204 au paragraphe 207. Bon, on dit. Maintenant. Dis maintenant. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Vous formez un cycle de trois. Voici fait. Mais vous êtes une seule personne. Vous êtes une seule personne. Comme Père, Fils et Saint-Esprit. Chemin. J'en avais encore besoin. Vas-y, frère, vas-y. Comme Père, vas-y. Fils et Saint-Esprit forment un cycle de trois. Et nous formons, nous sommes formés de trois sphères. Vas-y, frère. Mais, nous ne sommes qu'une seule personne. Mais tout cela nous forme que vous seul. Trois attributs du corps, même Dieu. C'est votre âme. Vas-y, frère. Trois attributs du même Dieu. Trois attributs du même Dieu. L'attribut de Père. L'attribut de Père. L'attribut de Fils. Vas-y. L'attribut de Saint-Esprit. Ce n'est pas trois personnes distinctes. Vas-y. Trois offices comme. Vas-y. L'office de Père. Vas-y, frère. L'office de Fils. L'office de Fils. Et celui de Saint-Esprit. Vas-y, frère. Vous aussi. Vous aussi. Vous êtes corps, esprit et âme. Vous aussi, vous êtes corps, esprit et âme. Vas-y, frère. Ouais, or. Il est en train de le mettre. Vas-y. Or. Vas-y. Votre corps extérieur a cinq entrées. Dis votre corps extérieur a cinq entrées. Qui vous permettent d'entrer en contact avec votre demeure terrestre. Qui vous permet de rentrer en contact avec votre demeure terrestre, votre corps charnel. Deux points. Deux points. La vue. La vue. Le goût. Le goût. Le toucher. Le toucher. L'odorat. L'odorat. Et lui. Et lui. Vas-y, frère. L'intérieur. L'intérieur. Qui est esprit. L'intérieur qui est esprit. A aussi cinq sens. L'intérieur qui est esprit a aussi cinq sens. L'esprit a cinq sens. Il ne parle plus là. De l'âme. Après le corps, il parle juste de l'esprit. Il y a cinq sens aussi. Vas-y, frère. La conscience. La conscience. L'amour. L'amour. Etc. Etc. Vous voyez, parce qu'il avait déjà expliqué cela auparavant. Mais il a seulement interverti les positions. Comprenons bien ce dont il est question ici. Vas-y, frère. Mais à l'intérieur de cela. À l'intérieur de cela. Il y a l'âme. Il y a l'âme. Il y a un sens. Sachez que les pensées sont la porte d'entrée de l'esprit. Pourquoi nous revenons sur cela? Pourquoi nous parlons de la pensée et ensuite nous faisons ce chemin-là, des trois sphères? Mais comment le diable réussit à prendre contact de l'une de ces sphères pour pouvoir prendre le contrôle de tout le reste? Sachez d'abord que, en tant que fils de Dieu, nos âmes sont prédestinées à l'éternité. Il y a l'âme du croyant, il y a l'âme du fils de Dieu, la sémence de Dieu, et il y a l'âme du païen. C'est deux choses bien différentes. Parce que même un païen, comme le dit l'Écriture et le prophète, son esprit à lui peut recevoir l'esprit du Seigneur. C'est ce qui trompe beaucoup. Il peut faire des miracles. Parler en langue. Avoir beaucoup de connaissances. C'est ça qui est drôle. Comment tu as expliqué cela? On va te dire cela dans le temps. Comme Balaam, le véritable esprit du Seigneur, le Saint-Esprit authentique, peut venir sur cet homme. Au-delà même de la chair, mais dans son esprit humain. Et le conduire à faire des choses extraordinaires. Mais jamais se tenir dans la parole de Dieu. Peut prêcher la parole, même sans la croix. Voilà pourquoi il sera prêt à faire des compromis à tout moment. Tant que c'est l'intérêt personnel. Il peut vendre la parole pour rentrer dans l'écuménisme. Parce que cela n'est pas attaché, ce n'est pas dans l'intérieur de l'intérieur qu'il a reçu la chose. Dieu bénit sa parole. Je veux qu'on comprenne très bien cet enseignement. C'est très important. Pour que vous sachiez discerner les choses. Comment voir quelqu'un. Tout ce qui peut donner du pouvoir. Sur les hommes, il couche avec ta femme,
C'est un frère qui me racontait cela, qui a marché avec lui, couché avec ta femme, et quand tu te plains, il te grime mystiquement. Parce qu'auparavant, il vous fait rentrer dans la vie de la souillure. C'est un piège que le diable a toujours utilisé avec Balaam. Comme il a vu qu'il ne peut pas maudire le peuple, comme il a vu qu'il ne peut pas atteindre Israël, il vous plombe. Lui, il sait que c'est un bouc. Pour que vous soyez exposés, même quand il y a le fils de Dieu parmi vous, il vous fait rentrer dans l'apostasie, dans le péché. Et c'est ce que Israël, c'est dans ce piège qu'Israël est tombé. Ils ont organisé une fête, ils ont envoyé toutes les paillettes à cette fête-là. Dieu, Israël, le diable, Balaam savait que Dieu, son totem, c'est que son peuple puisse donner droit à sa parole et qu'on pense à vivre n'importe comment. Il ne supporte pas cela. Et encore plus, il veut garder ce sang. Il ne veut pas qu'il se corrompe avec d'autres. Cette nation naturelle, Israël. Et quand ils ont commencé à se livrer à cela, le même Dieu qui s'est levé contre lui. Il les a livrés à leurs ennemis. C'est la même chose pour un fils de Dieu. Nous devons vivre la parole, frère. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tué beaucoup de fils de Dieu. Et beaucoup se posent la question, pourquoi cela peut être ainsi? Mais l'Écriture témoigne de cela, frère. Ne descend pas à notre muraille. Restons en plein milieu du pays. Pour que nous soyons forts dans les batailles. En tant que fils de Dieu, tu peux mourir par rapport à cela. Mais ça n'enlève pas ton salut. Parce que Dieu peut te juger dans cette marche. Parce que déjà, tu as été vaincu dans la bataille. Pourquoi pensez-vous que dans 1 Corinthiens chapitre 5, c'est le croyant qui se couche avec la femme de leur père? Parce que le diable a réussi la bataille dans les pensées. Oh, mais ça fait quoi? Je suis déjà sauvé. Si je couche même avec une prostituée, si Dieu me trouve dans les fesses, Dieu prostituée, excusez-moi le terme, monsieur, venu me dire, comme ça, pour que vous puissiez comprendre. Comment le diable peut vous faire vous déplacer de la grâce pour vous faire entrer dans la disgrâce? Mais il faut que déjà, cette bataille se passe dans vos pensées. C'est toujours là que cette bataille a lieu. Vas-y, frère. Vas-y. L'esprit peut descendre ici. L'esprit peut descendre ici. Et vous oindre. Et vous oindre. Pour faire une certaine chose. Pour vous oindre et vous faire une certaine chose. Et vous le faites. Et vous le faites. Mais cela ne veut pas dire. Cela ne veut pas dire. Que vous êtes sauvé. Cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Dans votre esprit. Votre esprit humain. Cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Il peut y avoir des merveilleux dons authentiques. Ce n'est pas tous ceux de la dénomination qui font des révélations, ces choses qui le font forcément par l'esprit du diable. Ceux même qui ont des dons de guérison, tout cela, ce n'est pas forcément par l'esprit du diable. Et ce mystère a tellement troublé le prophète. Il dit qu'un jour, il allait dans une communauté et il a vu des personnes, deux personnes, un authentique, un autre, un hypocrite fin. Son âme était privée de la Pentecôte. Un hypocrite. Mais il le voyait avec le même don de la vie. Il dit, mais comment lui, le prophète, il dit, comme le même esprit qui est sur moi, je peux le voir, je peux agir dans la vie de ces deux hommes. Et il pouvait voir un qui était sincère, un homme qui croyait la parole. Et un autre, un hypocrite, qui manifestait les dons de l'esprit. Et ça l'a troublé pendant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il s'est retourné, il s'est isolé pour parler au Seigneur. C'est là que le Seigneur lui a expliqué ce mystère. Il a pu tomber sur la bonne semence, comme la mauvaise. Les deux se réjouissent. Mais quand les fruits sont portés, on voit exactement qui est le vrai et qui est le blé. Votre vie témoigne l'aspiration de votre cœur. Votre vie témoigne de l'aspiration de votre cœur. Et du type, la qualité de l'esprit qui est en vous. Un fils de Dieu peut avoir des faiblesses. Ça va arriver, mais son foi intérieur n'est pas attaché à ces choses. Il gémit en lui. Parce qu'il sait qu'il n'est pas un bouc, il n'est pas un porc. Mais tous se réjouissent du mal. Il y a toute une différence entre ces deux choses. Ce n'est pas du légalisme. Vous vivez selon vos pensées. Et au-delà de cela, de ce qui est à l'intérieur de l'intérieur, votre âme, la vie qui est à l'intérieur. Dieu bénit sa parole. Amen. Vas-y, frère. Donc ici, corps, avec les cinq sens que nous avons vus tout à l'heure, je pense que vous l'avez déjà noté. Ici, on a l'esprit, avec ses cinq sens humains, imagination et tout cela. Et là, nous avons l'âme. L'âme, c'est le doute ou la foi.
C'est les deux sens de l'âme. Quand vous doutez de la parole de Dieu, intérieurement, c'est ça que vous... Parce qu'aucun d'entre vous ne fait l'effort de croire à la parole. Ce n'est pas vrai. La foi est un don que Dieu donne. Et c'est là que cela se joue. Le doute ou la foi à la parole de Dieu. Vas-y, frère. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Voyez. Voyez. L'esprit peut être là. L'esprit peut être là. Le vrai esprit. Vas-y, frère. L'esprit authentique. L'esprit authentique. Le Saint-Esprit peut vous oindre. Le Saint-Esprit peut vous oindre. Mais cela ne signifie pas. Vas-y. Pour autant que vous êtes sauvé. Le Saint-Esprit peut être de Dieu. De parler en langue. Et le prophète a vraiment. Ça choquait plus d'un. Lui-même, il a du mal à comprendre cela. Mais l'esprit peut expliquer cela et cela est conforme à la parole. Vas-y, frère. On va aller plus vite. Vas-y. C'est cette âme à l'intérieur qui ne meurt jamais. Mais c'est cette âme à l'intérieur ici. Vas-y. C'est elle. C'est elle. Qui a reçu la vie éternelle. C'est elle qui reçoit la vie éternelle. Ah. Cela a toujours été la vie éternelle. Ce n'est pas seulement un baptême, frère. Mais une fusion avec l'âme. Qui révèle ta nature. Aucun païen ne peut recevoir cela dans son âme. C'est impossible. Et l'Écriture dit qu'on ne peut être sanctifié sous le rapport de la conscience par les cinq sens de l'esprit. Parce que vous savez que la conscience aussi, c'est l'un des sens de l'esprit. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Et Paul explique cela. On va lire sur la fin, Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, à partir du verset. Je cherche. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, à partir du verset. Dans le verset 6. Or, c'est un verset. Prends le verset 8. Prends le verset 8. Et Paul expliquait cela. La conscience, tous les sens, au niveau de l'esprit, tous les sens de l'esprit ne peuvent nous donner d'entrée. Ce n'est pas le chose infaillible, le modèle infaillible ou le facteur infaillible pour nous montrer que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Même la conscience de l'homme. Parce que quand nous étions sous la loi, quand Israël était sous la loi, Israël maintenant devait passer sous la grâce. Et quand quelqu'un péchait dans l'ancienne alliance, quand il suffisait qu'il prenne un mouton qui le gorge, sa conscience à lui est en paix. Vous voyez? Quand un homme pêche, ou bien quand un homme vit même dans la société, sa conscience à lui est en paix. Moi, je ne suis pas comme les gens. Je ne tue pas les gens. Et les païens racontent cela. Ça, c'est la conscience humainement qui est apaisée. Mais cela ne nous sanctifie pas. C'est ce qu'il peut laisser l'expliquer ici. Lise cela. À partir du verset 8. Le Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire que notre conscience, ça, elle doit être souillée. Cela ne veut pas dire que notre corps en nous soit souillé. Rappelez-vous, Dieu désire habiter dans une maison faite de trois pièces. Vous devez être dans une intimité tellement parfaite avec lui que vous fasse qu'il rentre dans votre chambre à vous. Pas vous ne le pouvez pas seulement le laisser au salon ou dans la cour ou sur la terrasse. Non, mon frère. Jusque dans la chambre. Et c'est dans vos âmes que nous devons communier avec lui. Vas-y, frère, disons cela. Le Saint-Esprit montrait par là. Le Saint-Esprit montrait par là. Que le chemin du lieu très saint. Que le chemin du lieu très saint. Il n'était pas encore ouvert. N'était pas encore ouvert. Vas-y. Tant que le premier tabernacle subsistait. Vas-y, frère. C'est une figure. C'est une figure. Pour l'état actuel. Vas-y, frère. Où l'on présente des offrandes. Vas-y, frère. Et des sacrifices. Vas-y. Qui ne peuvent vous rendre parfait. Les sacrifices qui ne peuvent vous rendre parfait. Sous le rapport d'amener de l'argent ici à une église, il y a des hommes, des impies qui tuent les hommes. Des francs-maçons, des rosicruciens. Et pour s'apaiser la conscience, ils viennent, donnent l'argent à une église, ils viennent ici, donnent des dons ici. Pour s'apaiser la conscience. Ça ne nous purifie jamais. Ils essaient d'atteindre la sanctification par le sens de l'esprit. Par la conscience, par l'imagination et toutes ces choses. Vous voyez, frère. Ce n'est pas le chemin pourvu par Dieu. Dieu nous bénisse. Amen. Vas-y, frère, continue. C'est une figure pour le temps actuel. C'est une figure pour le temps actuel, vas-y. Où l'on présente des offrandes. Où l'on présente des sacrifices. Vas-y, frère. Qui ne peuvent rendre parfait. Qui ne peuvent rendre parfait. Sous le rapport de la conscience. Sous le rapport de la conscience. Celui qui rend ce culte. On ne rend pas Dieu. On ne rend pas un culte à Dieu. Selon le rapport de la conscience. Quoi que la conscience doit être sanctifié, comme le dit l'Écriture, même l'Écriture, on peut lire cela, il a dit ici. Prends le verset 14.
Verset 14. Vas-y, frère. Mais cela ne lui donne pas la sanctification. Être pur, saint devant Dieu, c'est dans l'âme. Être sauvé, c'est dans l'âme. Atteindre la perfection, c'est dans l'âme. Vous voyez, frère? Vas-y. Combien plus le sang de Christ, vas-y, frère, qui prend l'esprit éternel, c'est de faire lui-même, c'est sans tâche lui-même, vas-y, sans tâche à Dieu, vas-y, frère, purifiera-t-il votre conscience? Purifiera-t-il votre conscience? Vous voyez, il dit que c'est pas sur le rapport de la conscience qu'ils sont agréables à Dieu dans le service. Non, 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 non. Mais il dit en même temps que Dieu purifie la conscience, il purifie le sens de notre esprit, puisqu'il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, on a lu que notre corps, que nos âmes, que notre esprit soit conservé irrépréhensible. C'est aussi sa maison. Et tous ses sens, ça doit être pour sa gloire. Mais nous devons surveiller la chose. Dans nos pensées. Parce que c'est la porte d'entrée. Pour se saisir du sens de nos corps et de nos esprits. Tout ça pour semer le doute. Pour perdre des batailles. Vous voyez, frère, c'est tellement, tellement important. Mais la chose, pourquoi cela est parfait ce schéma? Parce que le prophète est revenu dessus. Mais quand Dieu veut parler de la certitude du salut que nous avons, il ne s'adresse pas au corps, ni à l'esprit, ni au sens de ces deux compartiments, de ces deux roues. C'est toujours en rapport avec l'âme qui parle de ces choses. Et il le dit ici, Hébreux chapitre 8, je l'ai noté ici. Je vais dire cela avec vous pour que vous voyez exactement ce dont je vais parler. Prenez Hébreux chapitre 6, à partir du verset 16 à 20. Hébreux chapitre 6, 16 à 20. Oh les hommes! Oh les hommes! Jure par celui qui est plus grand qu'eux. Jure par les hommes! Oh les hommes! Jure par celui qui est plus grand qu'eux. Vas-y, frère. Et le serment. Le serment. C'est une garantie. Et le serment. Tous les différents. Est une garantie. Vas-y, frère. Il me fait à tous les différents. Vas-y, frère. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Dieu voulait montrer avec plus d'évidence. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence. Héritier de la promesse. Lumière. Aux héritiers de la promesse. Il a montré avec plus de certitude aux héritiers de la promesse. Vas-y, frère. Aux croyants, aux chrétiens. Vas-y. Lumiabilité. L'immuabilité. Il ne change pas cela. Quand il a fécondé ton âme, quand la vie de Christ, au travers de la prédication de sa parole, confirmée par son sceau dans ton âme, plus rien dans ce monde ne peut te séparer de son amour. Ce n'est pas possible. Amen. C'est cela qui parle. Continue, frère. Mais regarde ce qu'il dit un peu plus tard. Vas-y. Vas-y, frère. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Et que sa résolution est immuable. Il ne peut pas changer cela. Vas-y, frère. Intervient par un serment, vas-y. Afin que par deux choses immuables. Dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Dans deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Vas-y, frère. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance. Mais où il nous était proposé. C'est dans là. Il nous a proposé. Vas-y, frère. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Sûre et solide. Allons doucement, frère. On n'est pas pressé. Même s'il est dit que nous allons finir vite. On n'est pas pressé. L'essentiel, c'est que l'Assemblée comprenne exactement les trois sphères et quelle est la chose la plus importante. Ça ne veut pas dire que tout le reste. Nous ne pouvons pas atteindre la sanctification selon Dieu pour hériter du royaume avec le sens de l'esprit, avec la conscience de toutes ces choses. Nous avons vu tout à l'heure cela. Avec le sens du corps. Mais toutefois, ces deux sphères doivent être conservées irrépréhensibles, comme le dit l'Écriture. Et comment le faire? En surveillant dans nos pensées, avec le filtre de Dieu, sa parole. Vas-y, frère. Sûr et solide. Reprends, frère. Reprends le verset 19. Verset 19. Vas-y. C'est quasi pas de l'immuabilité de son arrêt. Vous voyez, frère. Du serment.
de l'héritage dû aux héritiers, du fait que nous sommes sauvés. Et cela, il ne peut changer son arrêt. Mais quand il parle de cela, de cette expérience que nous recevons, il parle toujours de l'âme. Il dit comme une encre de l'âme, pas de l'esprit, pas de la chair, mais une encre de l'âme. Mais qu'est-ce qu'un encre? Vous voyez les bateaux qui sont sur l'eau. Quand le bateau veut stationner et maintenir son cap, il y a une corde en fer avec un truc de ce genre. Je ne sais pas si c'est... Bon, je ne sais pas dessiner. Il y a un truc comme ça. Comme ça. Quand on déplie comme ça, ça tombe dans l'eau pour maintenir le bateau. Parce que quand il stationne, il y a les vagues qui viennent et tout cela pour le maintenir dans le cap. C'est cela. C'est l'œuvre qui s'accomplit dans l'âme du croyant. Comme une ancre qui nous maintient dans la foi. Nous l'avons vu ici la dernière fois. Pierre a dit, Dieu, après nous avoir sauvés, en régénérant notre être, il nous garde par la puissance de son esprit, par la foi, à rester dans la foi jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Et c'est là, cette puissance dans nos âmes qui nous maintient. Même quand tu ne connais pas toute l'écriture, mais cette tente, la vie éternelle, donc voilà pourquoi ceux qui viennent, ne cherchez pas, frère. Faites des connaisseurs, faites des débats, parce qu'il y a un débat, vous. Non, ce n'est pas la chose la plus importante. On ne vient pas ici pour être un grand connaisseur de la Bible. Ce n'est pas le but. Si c'est cela que vous venez, le mieux que vous êtes chez vous à la maison. Vous devez recevoir ce témoignage dans vos âmes. Et si vous l'avez reçu dans vos âmes, vous n'aurez pas du mal à vous confirmer à lui. Ce témoignage. Nous venons pour que nos âmes soient placées sur l'autel. Pour que le feu divin, après avoir cru réellement, parce qu'il vient pour, son esprit vient pour confirmer la parole que nous avons reçue. Et il y a la justification, il y a la sanctification, le baptême de l'esprit. Pas un baptême, un revêtement, mais une fusion avec nos âmes. Comme un amen de la foi que nous avons reçue, de la parole que nous avons reçue. Si vous prenez réellement le message du temps de la fin, rien de tout ce que le diable élèvera comme séduction, les sept tonnerres, beaucoup d'autres choses, le ministère des banques, cela n'aura aucun impact sur vous. Et pour concernant cela, Frère Branham, je vais faire une digression. Frère Branham a dit quelque chose dans cette même brochure, dans le fil de l'homme qui est péché. Il dit, la vérité n'est pas vraie parce qu'elle sort de ma bouche du haut de la chair. La vérité n'est pas vraie parce qu'elle sort de ma bouche du haut de la chair. Peu importe celui qui se tient derrière la chair, tant qu'il prêche la parole, ce message, écoutez-le. C'est Frère Branham qui l'a dit. Je pense qu'on va trouver cela, on va lire cela. C'est vrai que ce n'est pas en rapport avec le message, mais j'ai juste noté cela là. Paragraphe E-186. Excusez-moi. Presque la belle branche, c'est moi, moi c'est pour le chercher, car vraiment avec moi, c'est, ça me passe la tâche. Le fils de l'homme qui est toujours le fils de l'homme qui est chercher. Par la 168, tiens cela. Tu peux. 186. 186 à 487. Vas-y. Église. Je suis conscient qu'un jour. Frère, tu n'as pas bien noté ça, parce que ça n'a rien à voir avec la prédication. Vas-y. Église. Je suis conscient qu'un jour. Je devrais comparaître avec vous au jugement. Vas-y, frère. Loin de moi la pensée de vous dire. Quoi que ce soit de faux. Vas-y, frère. Par désir de popularité. Vous voyez, c'est tout sentiment que. C'est un sentiment que tout prédicateur doit avoir dans son cœur. En voulant être populaire, dit des choses qui plaisent aux gens. Prêcher pour le monde. Pour que tu sois adulé partout. Et même dans l'assemblée. Quand tu rentres dans cet esprit, tu ne peux plus prêcher selon que l'esprit te met à cœur. Tu regardes les sentiments des hommes pour adapter ton message. Vas-y, frère. Je ne veux pas de ça. S'il s'agissait selon mon désir, seulement selon mon désir humain. Parce qu'il veut le rendre populaire. Il est mort, mais on doit le ramener à la chair. Même quand nous savons que son message vit toujours.
Et c'est ça qui confirme son ministère. Et nous voyons les fruits, frère. Et c'est ce que nous devons prêcher. Vas-y, frère. S'il s'agissait selon mon désir. Si c'était selon mon désir, vas-y. Seulement selon mon désir humain. Vas-y. Je prendrai ma carabine. Je prendrai ma carabine. Et je partirai dans les bois. Et j'irai à la chasse. Vas-y. Je construirai une cabane. Je construirai une cabane. Et je serai trappeur. Vas-y. Le reste de ma vie. Parce que c'est ce qu'il aimait. Il aimait chasser. Vas-y. Je prends de l'âge. Je prends de l'âge. Je suis fatigué, épuisé. Je suis fatigué, épuisé. Usé. Usé. Mais je ne peux pas abandonner. Mais je ne peux pas abandonner. Il y a quelque chose. Vas-y. Qui s'agite en moi. Vas-y, frère. Malheur à moi. Malheur à moi. Si je ne dis pas la vérité. Malheur à moi si je ne dis pas la vérité. Et toute la vérité. La parole de Dieu. Vas-y, frère. Et toute la vérité. Et toute la vérité. Malheur à moi. Malheur à moi. Si je ne me tiens pas ici. Vas-y, frère. Jusqu'à ce que le dernier souffle. Vas-y. Ait quitté mon corps. Vas-y, frère. Quelqu'un parle là. Vas-y, frère. Vas-y, continue. Je dois m'y tenir. Je dois m'y tenir. Peu importe. Vas-y, frère. Peu importe ce que n'importe qui d'autre en dit. On dit, vas-y, frère. Je suis responsable devant Dieu. Aussi longtemps que je suis vivant. Vas-y, frère. Et je crois vraiment que les choses. Vas-y. Que nous prêchons sont la vérité. Que nous prêchons sont la vérité. Vas-y. Parce que c'est moi qui les prêche. Et je crois vraiment que. Et je crois vraiment que. Les choses que nous prêchons sont la vérité. Les choses que nous prêchons, il dit nous prêchons. Pas parce que. Parce que Neville est de même prêcher le message. Et dit, les mêmes s'asseoir pour l'écouter. Collins également prêcher le message, les mêmes s'asseoir pour les écouter. Il pouvait aller même à la radio, Neville, pour prêcher le message. Pas avec des bandes du prophète. Mais parce qu'il avait cru, reçu également le ministère pour pouvoir prêcher, faire écho du message. Vas-y, frère. Et je crois vraiment que les choses que nous prêchons sont la vérité. Si les hommes n'ont pas été vaincus dans les pensées, acceptant l'apostasie du diable, qu'est-ce que c'est donc? Ils ont dû mettre la parole de Dieu de côté. Pour pouvoir agir ici, frère. Vas-y. Pas parce que c'est moi qui les prêche. Il dit ces choses sont la vérité, pas parce que c'est moi qui les prêche. Vas-y. Non. Non. Non, mon frère. Non. Non, monsieur. Mais ils disent, ramenons Branham la chair, quand ça sort de sa bouche, avec le ton de sa voix, et ça qui est la vérité. Tout le reste, c'est n'est que mensonge, frère. Ça n'a jamais existé dans l'Écriture. Paul pouvait prêcher, Timothée pouvait prêcher, Epaphras pouvait prêcher, Tite même pouvait prêcher. Ils étaient des ministres, pas des ministres de Paul. Pas des soldats de Paul. Paul même n'a jamais dit qu'il était général. C'est arrivé là. Comme beaucoup le disent également aujourd'hui, Josué, quand il a rencontré l'ange de l'Éternel, il dit, je suis le chef de l'armée. Pas Josué, c'est l'ange. C'est le Seigneur qui est le général de l'armée, de son armée à lui. Aujourd'hui, des prédicateurs s'assemblent et traitent un autre de leur général. Et ils sont au garde-fou à tendance ses ordres, frère. Cette manière de faire, où est-ce qu'on peut la voir dans l'Église? Frère, ce n'est pas l'écriture. Frère Branham même n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il pourrait dire à Neville, ne me vois pas comme un ancien temps au-dessus de toi. Mais il pourrait reconnaître le ministère de cet homme. Il était l'ange que Dieu a envoyé pour toute la génération. S'il croyait cela, il devait s'attacher à ce que ce frère, le prophète disait. La révélation qu'il recevait de Dieu. Ça devait être cela qu'il devait prêcher. Mais avant de venir prêcher, frère, ne l'appelle pas dans les chambres, voici tout à prêcher. Et tout cela ramène le peuple à lui. Ramène le peuple. Non, ça n'a jamais été comme ça. Quel genre de prophète? Quand vous finissez votre prophète, où que tu sois, toute la prédication tourne autour de cela. Ramène les regards des hommes à l'homme. Tout véritable prophète, tout véritable envoyé de Dieu tournera les regards du peuple sur Christ. Amen. Ça, c'est infaillible, frère. C'est un détecteur infaillible. Dieu bénit sa parole. Amen. Vas-y, frère. Non, mon frère. Non, mon frère. Non, monsieur. Non, monsieur. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur. J'aimerais m'asseoir dans l'assemblée. Et c'est pas parce que c'est lui qui prêche, qui va prêcher quelque chose. On va dire que c'est vrai. C'est pas parce que la chose sort de sa bouche, on entend sa voix, que ça veut dire que c'est vrai, que la colonne de feu va venir sur toi. Ou bien les... Non, frère.
ce n'est pas ça. Ils comprennent mal l'Écriture. Ils comprennent mal le prophète. Il n'a jamais dit cela. Vas-y, frère. J'aimerais m'asseoir dans l'assemblée. Toutes les personnes qui sont ici, vous allez fouiller, c'est les personnes qui ne veulent pas être conviées. Ce sont des boucs. Des personnes qui veulent se. C'est dont Jude parlait. Ils se repassent eux-mêmes. Ils veulent se conduire eux-mêmes. Là, il a la main de main sa bande. Des orgueilleux. Et on a affaire à un lien encore au bureau. Un homme insolent. On va revenir à ça plus tard. Vas-y, frère. J'aimerais m'asseoir dans l'assemblée. Et écouter prêcher quelqu'un. Qui est sous l'onction. Ce serait il reconnaissait que moi. L'onction de Dieu pouvait se saisir d'un homme comme Néphite pour prêcher aussi la parole. Mais dans le calvaire que Dieu a pourvu pour le temps dans lequel il vit, ça n'a jamais été quelque chose d'autre. On continue la prédication. Au verset 19. Vas-y, frère. Cette espérance. Vas-y. Nous la possédons comme une ancre de l'âme. Vous voyez, c'est toujours en rapport avec l'âme. Que la sécurité éternelle des fils de Dieu est exprimée, toujours en rapport avec l'âme. Comme une ancre. Et peut dire, peu importe ce qui se passe, le diable peut arriver à se saisir de votre raison, se saisir même de votre corps. Il peut arriver à faire cela. En tant que fils de Dieu, cela n'annule point votre salut. Mais vous luttez, vous pouvez lutter de la bonne manière. Prenez la parole dans vos pensées. En purifiant toutes choses. Comprenez-vous ce que je dis? Un véritable fils de Dieu, une fille de Dieu peut arriver à un état où le diable peut essayer ses sensations, toutes ces choses, pour pouvoir le faire sortir, pour l'affaiblir, pour mettre le doute dans sa pensée, pour douter de lui-même, de ce qu'il est, de ce que Dieu a fait de lui. Mais le combat ne se passera pas avec ta propre intelligence, ta propre pensée. Prends la parole. Et toutes les fois où le diable a pu mettre quelque chose de ta pensée qui va en dehors de la parole de Dieu, fais comme le Seigneur. Prends la parole et combat avec la parole. Comme David, combat avec le nom du Seigneur. Et non en voulant penser, raisonner. Bon, il a dit ça, moi je vais raisonner pour être. Il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir avec cela. Avec des calomnies, tu as des hommes pour te calomnier, pour te dérouler. Même dans l'assemblée, il utilisera peut-être des hommes mal affermis pour commencer même à te calomnier. Et quand je vais entendre ça, oh, mais c'est que vraiment ça, ce n'est pas l'assemblée où le Saint-Esprit est. C'est sont tous dans le faux ici. Et tu sortiras. Vous voyez, frère, cela peut arriver. Il utilise quoi? Des sens. Le combat peut bien jusque là ici. Vous devez surveiller cela. Le Seigneur était calomnié. Et ne pensez pas que une assemblée locale, dans toutes les assemblées locales, tous ceux qui ici sont les fils de Dieu. Arrêtez de vous leurrer. Ce n'est pas tous ceux qui passent par les eaux du baptême. Ils sont les fils de Dieu. Regardez à la moindre occasion. Et vous verrez la nature qui va s'exprimer. Comment nous pouvons être fidèles à la parole? Nous ne nous en remettons pas à nos sens. Au sens de l'esprit, à l'imagination, à la conscience. Vous voyez, frère, mais remettons-nous à la parole, en ainsi dit le Seigneur. C'est ça le filtre qui est infaillible, qui nous conduit dans la bonne direction. Vas-y frère, continuons le livre, est-ce qu'on a fini? Vas-y, les yeux sont l'expression de la foi. Lise ça rapidement frère, c'est tout à fait vrai, voyez. Vas-y frère. L'esprit peut être là. Le vrai esprit. L'esprit authentique. Le Saint-Esprit peut vous joindre. Mais cela ne signifie pas. Pour autant que vous êtes sauvé. C'est cette âme à l'intérieur. Voyez. C'est cette âme à l'intérieur. Qui ne meurt jamais. Vas-y. C'est elle qui a reçu la vie éternelle. Voyez. La vie éternelle en rapport avec l'âme. La troisième roue à l'intérieur. L'intérieur de l'intérieur. Vas-y, frère.
Cela a toujours été la vie éternelle. Vas-y, frère. Voyez. Elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. On a lu Hébreux chapitre 6. Parle de l'ordre de l'âme. Pour parler du décret divin de Dieu. Du serment infaillible de Dieu. Quand il parle de la sécurité éternelle, c'est un rapport avec l'âme. Il ne met pas cela en rapport avec le sens de l'esprit, la conscience et toutes ces choses. Et nous ne devons pas servir Dieu sur ce rapport-là. Quoique les sens de l'esprit et du corps doivent être de même sanctifiés, mais il peut arriver que le diable se saisisse de cela. Des sens de le corps, mais cela ne fait pas de nous des païens. Mais la volonté de Dieu, c'est que toutes ces trois sphères soient conservées irrépréhensibles jusqu'à sa venue. Amen. Et c'est pour cela que nous combattons, pour posséder aussi la promesse. Parce que étant dans cet esprit, dans cette condition, nous ne pouvons pas saisir les bénédictions de Dieu. Nous ne pouvons pas saisir la guérison. Ayant le doute dans le cœur, ayant la peur dans le cœur, c'est aussi une âme du diable. Je l'ai dit la dernière fois. Le diable peut faire un scénario autour de vous pour vous apeurer. Mais vous devez savoir qui vous avez cru. Amen. Et qui réside en vous. Dieu bénit sa parole. Amen. Continuons, frère. Disons sur la parole. Cela a toujours été la vie éternelle. Voyez. Elle vient de Dieu. Et elle retourne à Dieu. Vas-y. C'est l'âme. Eh bien. Vas-y. Remarquez. Il faut qu'il en soit ainsi. Vas-y. À l'intérieur. Il y a cinq. Vas-y. La foi. Jésus. Vas-y. Cinq lettres. Vas-y. Il parle de l'âme ici. À l'intérieur, l'intérieur de l'âme, c'est la foi ou l'incrédulité. Vas-y, frère. C'est pourquoi. Vas-y. Lorsque je me tiens ici. Vas-y, frère. Et que je vous regarde. Je ne connais personne parmi vous. L'esprit peut moindre. Et malgré tout. Je ne connais personne parmi vous. Vas-y, frère. Mais lorsque cela atteint l'intérieur. Lorsque cela atteint l'intérieur de l'intérieur, voyez. Bon, il a passé, mais bon, on peut voir. Frère, ici, vraiment, tu me combats. Voyez. Il dit ça. L'âme, c'est l'intérieur de l'intérieur. Quand on dépasse la première couche, deuxième couche, l'intérieur de l'intérieur, c'est l'âme. C'est de ça qui parle. C'est là que le Fils de Dieu fusionne avec la divinité. C'est là que le Saint-Esprit vient sceller nos âmes. C'est là que le scellement a lieu. Vas-y. Mais lorsque cela atteint l'intérieur de l'intérieur, donc l'âme, alors c'est Dieu. Un païen ne peut pas, le pape ne peut pas expérimenter ça. C'est pas possible. Il peut expérimenter un revêtement à ce niveau-là. Un féticheur devin peut expérimenter cela. Pour prophétiser même. Caïphe l'a fait. Balaam l'a fait de même. Le véritable esprit du Seigneur peut s'emparer de toi à ces deux sphères. Mais là, c'est réservé aux élus. Vas-y, frère. C'est par là que l'homme extérieur peut raisonner. Vas-y, frère. Par exemple, vas-y. Il dira deux points. Vas-y. Eh bien. Vous savez. Je sais que je ne dois pas commettre d'adultère. Puis. Vous savez. Vas-y, frère. L'esprit me dit. Donc que. Vas-y. Je ne dois pas commettre d'adultère. Vas-y, frère. Mais. Vas-y. Vous voyez là-bas. Tout au fond. Cette chose est encore là. Voyez. Vas-y. C'est cela. Le goût du mal. Le goût de la perversité. Peut être là encore. Dans votre esprit. Vous le payez même dans son âme. Parce que son âme est souillée. Vas-y, frère. Voyez. C'est cela qui vous gouvernera. Et vous ferez bien d'être sur vos gardes. C'est l'âme qui gouverne tout le reste. L'âme est la vie de l'esprit. Et l'esprit est la vie du corps. Vous voyez, voilà pourquoi quand vos pensées sont atteintes, tout le reste, tous les petits canaux, comme le dit le prophète, sont pris entièrement sous son contrôle. La porte, c'est les pensées. Le lieu de la bataille, c'est nos pensées. Vas-y, frère. Mais,
Vas-y. Lorsque cela part de l'intérieur. Mais lorsque cela part de l'intérieur. Cela rejette ensemble tout le reste. Vas-y, frère. C'est cela le plutôt indicateur. De l'intérieur. Cela doit partir de l'intérieur. La vie qui gouverne l'âme. C'est elle qui commence à réjaillir tout le reste. Vas-y, frère. Lorsque cela part de l'intérieur. Vas-y, frère. Cela rejette ensemble tout le reste. Cela rejette ensemble tout le reste. Vas-y. C'est cela le poteau indicateur. C'est cela le véritable poteau indicateur. C'est la tour de l'homme. Vas-y, frère. C'est la tour de contrôle. L'âme est la tour de contrôle. Vas-y, frère. L'intérieur de l'intérieur. L'intérieur de l'intérieur. L'âme dirige l'esprit. L'âme dirige l'esprit. Et l'esprit dirige le corps. Et l'esprit dirige le corps. Vas-y, frère. C'est pourquoi un blanchiment de la façade. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire à ces hommes-là, ces pharisiens, ton beau blanchi. Parce qu'ils avaient des bonnes œuvres ici. Des hommes pieux, des hypocrites, mais des hommes pieux. Vous voyez, frère, la chose. Voilà pourquoi je dis, il y a un seul domaine dans lequel l'hypocrisie n'a pas sa place. C'est dans le spirituel. C'est dans le christianisme. Vous pouvez paraître des hommes pieux, bons. Mais le plus important, c'est la vie qui est à l'intérieur ici. Vous pouvez cacher des hommes, mais ton propre témoignage va te suivre. Amen. Quelqu'un a dit qu'on ne cache pas le soleil avec la main. Vous voyez, frère, c'est exactement la même chose. Il dit tombeau blanchi parce qu'il connaissait les œuvres. Leur cœur était rempli de rapine parce qu'ils ne croyaient pas la parole. Ils avaient beaucoup de choses à faire avec l'interprétation. Il était tellement occupé avec l'interprétation que la véritable parole, dans la simplicité qui était annoncée par le Seigneur, n'avait pas d'impact sur eux. Parce qu'ils regardaient, ils pouvaient encore regarder à leurs intérêts, à l'argent, à la gloire, au prestige qu'ils avaient dans la dénomination. En tant que souverain sacrificateur, toutes ces choses. Voilà pourquoi j'ai dit, comme Caïn, il peut être extrêmement religieux. Mais il n'avait pas leur âme. Et que dans leur esprit, il ne pouvait pas comprendre. Combien de fois il était important d'avoir, de garder le droit d'aînesse que Dieu nous donne. L'importance que révèle la parole de Dieu à nos yeux. Celui qui n'a pas reçu la vie de Dieu dans son âme, il ne peut pas s'attacher à cela. Il ne peut pas comprendre quand l'Esprit dit « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Il ne peut pas comprendre et il ne peut pas s'attacher à cela. Même s'il récite cela, dès que la première épreuve viendra, il sautera. Il sera prêt à faire des compromis avec la parole. Aucun de ses intérêts. Mais l'encre du croyant, c'est ici, dans l'âme. Tant que Dieu n'a pas fusionné avec toi dans ton âme, te serrant dans ton âme, tu n'as pas d'encre. Tu es ballotté par toute bonne doctrine. Tu flottes. Voilà pourquoi j'ai dit que nos vies soient placées sur l'autel de Dieu. Pour que Dieu nous remplisse de son esprit. Pas dans nos corps, pas dans notre esprit, mais dans nos âmes premièrement et le reste suivant après. Vas-y, frère. Mais lorsque cela part de l'intérieur. Cela rejette ensemble tout le reste. Vas-y, frère. C'est cela le poteau indicateur. Qui transparaît ici dans la première sphère ici. Émane de la vie qui est à l'intérieur. C'est ça les œufs qui sont produits, les fruits qui sont produits par l'esprit. Mais pas seulement un toucan ou un corbeau qui prend les plumes d'un aigle et qui se plante. Un petit vent va voir tout à l'heure que toutes les plumes de l'air vont partir. Et tu vas te rendre compte que c'est un corbeau qui est là. C'est la même chose. Parce qu'il n'a pas été scellé là, dans l'âme. Vas-y, frère. C'est pourquoi un blanchiment de la façade ne change rien. Ne change rien. Ces gens religieux d'autrefois. Que Paul traitait de sépulcre blanchi. Que Paul traitait de tombeau blanchi. Vas-y, et tout était. Vas-y. Et tout était vu de l'extérieur. Tout était vu de l'extérieur. Des croyants à 100%. Ils avaient des prophéties. Parmi eux. Et tout le reste. Sauf que l'intérieur de l'âme. L'âme qui ne croit pas. Vas-y. C'est la raison pour laquelle. Je dis que les gens peuvent sautiller. Là, quand je dis que les gens peuvent soutiller, parler en langue, crier, imposer les mains aux malades, guérir les malades par la foi, et tout est de même perdu.
va lire ici et on va conclure. La brochure, le fruit de l'homme qui réfléchit. 2,93. Ici. Je lis cela. C'est là qu'on va terminer cette brochure. Il fait quelle heure? 11h20. Le fruit d'un homme qui réfléchit. Le fruit d'un homme qui réfléchit. Maintenant remarquez. S'il a été. Vas-y. Si sa pensée a été filtrée. Oui, c'est ça. On a marqué le titre et la date de la situation. Je n'ai pas marqué le paragraphe. Les œufs sont l'expression de la foi. C'est le paragraphe 204 à 212. Je prends ça comme ça. Voilà. 212. Voilà. Vas-y. Maintenant remarquez. Suivez très bien, Fred. Maintenant remarquez. Si sa pensée a été filtrée. Il dit si la pensée de l'homme a été filtrée. À travers la parole de Dieu. Il met toujours l'accent sur la pensée. Parce que c'est là le champ de bataille. C'est là la vallée dans laquelle David est descendu. Avec le nom de l'Éternel. Avec la parole de Dieu. Et c'est la même chose que nous devons faire. Vas-y, Fred. À travers la parole de Dieu. Le filtre de Dieu. Il ne la regardera pas. Vas-y, frère. Il ne la trouvera pas jolie. Vas-y, frère. Il pensera. Vas-y, frère. Juste lis jusqu'au paragraphe 96. Vas-y. Il ne la regardera pas. Vas-y. Il ne la trouvera pas jolie. Vous voyez, il dit un fils de Dieu qui regarde une païenne, peu importe comment le monde l'apprécierait, avec ses formes délicates. Vous voyez, avec son beau visage, avec sa bonne odeur, tout cela. Mais cela ne peut pas avoir d'impact. Normalement, on ne peut pas avoir d'impact si un fils de Dieu. Parce que nous la regardons à travers le filtre qui est dans nos pensées. Vous voyez, frère, un fils de Dieu ne doit pas choisir l'épouse sans appliquer le filtre. C'est ce qu'il essaie d'expliquer là. Le monde la regardera. Le zobéliste la regardera, il bavera. Il fera toutes choses. Mais le fils de Dieu, non, parce qu'il y a un filtre. Il dit le filtre d'un homme qui réfléchit. Et ce filtre, c'est la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu, il verra à travers le filtre que c'est un serpent qui passe là. Vas-y, frère. Si sa pensée a été filtrée à travers la parole de Dieu. Si sa pensée a été filtrée à travers la parole de Dieu. Le filtre de Dieu. Il ne la regardera pas. Il ne la trouvera pas jolie. Il pensera que c'est une Jézabel. Alors que la pensée que le diable essaie de jeter dans sa pensée. Ah, mais tellement, comment elle est belle, quoi, la femme. Regarde ses manières, elles ne sont pas délicates. Toujours, c'est tellement la même coiffure. Vous voyez, il y a sa longue robe. Est-ce qu'on prend. Il va te la dépeindre de telle sorte que toi-même tu sois découragé. Quand tu vas dans la maison, tu la regardes. Parce que l'image que tu as vue là dehors, il a mis ça dans ta tête et c'est là. Mais il faut que le fils soit là pour rejeter ça. Parce que l'écriture, qu'est-ce que le fils dit, frère? La femme qui craint l'Éternel, ton Dieu, c'est elle qui sera honorée, frère. Et l'écriture dit qu'elle sera une couronne sur ta tête. C'est ça le filtre. Mais si tu ne l'as pas, tu vas avaler tout ce que le diable. Et puis, le diable te fait croire que le Dieu ne donne plus de femmes aux hommes. C'est une erreur. Ils estiment que depuis que Adam a dit à Dieu, mais c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Depuis le jour, Dieu a lavé ses mains. C'est ce que le diable essaiera de te croire. Donc cherchons-nous nous-mêmes. Nous pouvons hériter de nos pères une maison, mais celui qui trouve une merveilleuse épouse, c'est une grâce qu'il obtient de Dieu. C'est l'écriture. Et c'est après la chute que cette parole a été donnée. Donc de quoi parlons-nous? Le filtre. Gardez-le constamment dans vos esprits. C'est parce qu'ils ont été vaincus dans la chair qu'il peut aller courir. Il laisse sa merveilleuse épouse qui est remplie de l'esprit. C'est vrai qu'elle n'a pas tout les parfums raffinés, mais il faut payer ce parfum raffiné à vous donner. En quoi est-ce que ça va contrairement à la parole de Dieu? Mais vous aussi, les sœurs, frères. Ce n'est pas parce que vous êtes croyantes que je ne dis pas qu'il y a des sœurs qui sont sales ici. Mais j'essaie de dire quelque chose. Ce n'est pas parce que vous êtes croyante que vous devez vous négliger. La Bible ne te dit pas d'être ravissante. Tu peux avoir une longue robe, mais merveilleusement bien habillée, avec un merveilleux parfum. Pour être
pour servir ton mari. Quand il va au travail, il revient, il peut te trouver à la maison propre. Tu peux mettre un acte, mais on n'a pas, mais tout est propre. Fais attention au visage. Bon, c'est pas ça. Oui, attention au visage. On n'a pas besoin de mettre de la poudre rouge. Ici, tu sais. Quand il voit ma femme faire souvent cela, quand elle est comme elle pense. Quand il rentre à la maison, après il la voit, je suis tranquille. Amen. Ouais, frère. C'est pas parce qu'on a une soeur, que je non, mes regards sont fixés vers la bouche, c'est mais pour le moment, ton mari, c'est elle va venir là, c'est pas ton âme va regarder. C'est la première sphère là, qui va regarder. Donc il faut entretenir ça. Bien te laver, tes cheveux toujours bien propres, bien séduisant pour ton mari. Pourquoi tu m'as parlé de ces choses? Pas des robes marachicap, c'est de merveilleuses robes. Vous pouvez même vous mettre de, des choses, comment on appelle ces choses? Non, pas bustier, non, bustier ça c'est, ça laisse le dos, c'est pas ça. Ça moi je connais. Vous voyez, il y a les pampons de fesses là, avec le, j'aime bien ça, ma femme même je vais l'initier à ça. Il y a les fesses, les pampons avec des jupes bien propres, allons bien, gravissantes. Tu n'as pas besoin de se bourrer de maquillage, de tout cela, mais pensez à séduire votre homme. Quand il vient à la maison, qu'il te regarde, il faut qu'il soit content. Parce que sinon, c'est rude. Aidez-le à comprendre ça. Ça fait rire, mais c'est vrai. Quand on sort, aidez-le à combattre. 2 minutes à parole. Pardon. Vas-y. Il pensera que c'est une Jézabel. Il pensera. C'est Jézabel. Il pensera que derrière ses lèvres rouges, ses lèvres rouges, se trouve des crochets à venin. Vous voyez, et ça c'est le filtre, c'est la parole de Dieu dans nos pensées. Il permet de voir cela. Quand le monde regarde, lui voit ça, il voit ça quelque chose de merveilleux. Mais quand le filtre lui regarde, avec le filtre, il voit que c'est un démon qui a tous ses papiers devant lui. Il n'apprend pas à prendre et la mettre dans son sein, ou même à combattre dans son cœur. Vas-y frère. Il pensera que derrière ses lèvres rouges se trouve des crochets à venin. Se trouve des crochets à venin. Qui s'enfonceraient en lui. Donc, donnons des moyens à nos épouses de se vêtir, de s'entretenir. Vous voyez? Mais si ton mari n'a pas aussi les moyens de le faire, bon, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens pour pouvoir être chose. Donc, le peu, même à côté, il y a des robes de 500, de 1000 francs qui sont propres. Tu as besoin de 5000, tu as payé 5 robes. Mais il faut avoir de la pensée d'être propre, présentable pour ton mari. Et la femme qui, dès qu'elle est dans le foyer, elle pense que toutes tes choses. C'est vrai que tu dois nourrir ton âme. C'est vrai. Mais aussi, je le dis, c'est vraiment important. Tu veux penser à cela. On n'a pas besoin de mettre des rouges à lèvres, des gros, des choses, comment on dit ça, des boucles d'oreilles, ou des fards à lèvres, tout cela, ou des pantalons, s'habiller comme le monde pour nous, pour que ton mari puisse être vraiment dans la joie quand il est accompagné. Tous les artifices qui ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que certains estiment que même le parfum, on ne doit pas le mettre. Mais le savon que tu manges de laver là, c'est le domaine du ciel. Vous devez préparer pour votre époux terrestre. Vos maris, vous devez vous entretenir. La manière que nous nous entretenons avec la parole de Dieu pour entrer dans la présence de notre maître. Vous voyez, frère, vous devez aider également les soeurs. Vous donner des moyens, peu importe si tu as peut-être 100 000 dans ton salaire, donne au moins quelque chose à ta femme pour qu'elle puisse s'entretenir. Il y a des frères qui ne pensent jamais à cela. C'est important. Vas-y, frère. Et la Bible dit 2 points. Vas-y. C'est porte. Vas-y. Ce sont les portes de l'enfer. Ces femmes qui se promènent là avec des pantalons serrés, des jupes moulantes, ces portes sont les portes de l'enfer. Mais tu ne peux voir ça seulement qu'à travers le filtre de Dieu. Parce que tu appliques le filtre dans tes pensées. Quand nous sortons dans nos missions, nous faisons toutes ces choses, il faut que le filtre soit constamment là. Et quand nous causons même là dehors avec des hommes qui ont des inspirations en plus finies, des expressions diaboliques, des évangiles contraires à la sainte doctrine, il faut que le filtre soit là dans nos pensées de même. C'est ça qui t'amuse la chose. Vas-y, frère.
Et un homme il est irrépréhensible. Nos corps. Il nous explique. Vas-y, frère. Et un homme y entre. Et un homme y entre. Comme le bœuf qui va à l'abattoir. Et un homme qui n'a pas le flux, il rentre dans ce bourbier-là. Parce qu'il a vu une femme qui est apparemment belle selon le monde. Il rentre comme un bœuf qui va à l'abattoir. Mais l'Écriture dit que c'est pas sur la porte de la mort. Vas-y, frère. Voilà le fils d'un homme qui réfléchit. Voici le fils d'un homme qui réfléchit. Vas-y, frère. Que désirez-vous? Que désirez-vous? Quand une femme descend la rue. Quand une femme descend la rue. Habillée comme ça. Habillée comme cela. Et que les hommes. Vas-y, frère. Vous tournez la tête. Une femme qui disait. On dit, mais pourquoi tu t'habilles ici? Elle dit, mon mari, qui est un frère, aime ça. Il y a un problème. Et, donc, c'est vrai que parce que ton mari, lui, il aime ça. Donc, tu dois faire. Ce que la parole de Dieu te dit, là, ça m'a dit, mais c'est mon chef. Vous voyez, ça arrive, ça peut être elle-même, cette femme-là, elle prend plaisir à cela. Son cœur n'est pas si concis. C'est penser à elle. Elle a vaincu le monsieur. Elle a vaincu le monsieur. Non, pas une soeur qui a compris la parole. On n'a pas besoin, son mari n'a même pas besoin de choses. Il fallait pas lutter avec elle à la maison pour qu'elle se tienne dans les bonnes dispositions. Une coiffure au niveau de niveau vestimentaire, tout cela va être en ordre. Parce que vous aussi, vous recevez la parole, vous aussi, vous recevez l'esprit. Vous aussi, votre pensée est le lieu de bataille. Quand vous regardez la télévision, quand vous sortez là, la bataille a commencé comme ça. Vous prenez des images qui sont dans vos esprits, dans vos pensées, avec lesquelles vous marchez, vous dormez. Et cela vous féconde. Et vous pensez que c'est cela qui est recommandé. Et le diable va te faire croire que ton mari même qui sera là. C'est ça qu'ils aiment. Les frères, c'est ça qu'ils aiment Dieu. Ils sont les écoutes. Il va te faire croire cela. Peu importe ce que tu vas commencer à dire, elles n'ont plus d'oreilles pour écouter. Vous voyez comment le diable vous met dans un entonnoir. Prenons la parole et appliquons cela à nos cœurs. C'est Dieu qui garde ton mari. Quand il sort, c'est Dieu qui le garde. Mais c'est toi, parce que tu veux utiliser, c'est ça. Vous voulez utiliser les armes du diable pour combattre le diable. C'est la parole de Dieu que vous devez appliquer à vos cœurs, dans vos pensées, pour que votre mari soit gardé. Mais vous voulez utiliser les armes du diable, le maquillage et tous ces apparats. Garder les choses, mettre vos seins dehors, ou vos dos dehors, dans vos habillements, et toutes ces choses, dans vos coiffures. Ce n'est pas la chose. Ce n'est pas la chose. Vas-y, frère. Que désirez-vous? Que désirez-vous? Quand une femme descend la rue. Quand une femme. Dis rapidement, frère. Habillée comme ça. Et que vous, les hommes. Que vous, les hommes. Vous tournez la tête. Vas-y, frère. Vous rincez l'œil. Vous rincez l'œil. Comme ça. Et je reste mes yeux, j'avale ma salive. Et je continue mon chemin. Je dis gloire à Dieu. Vas-y, frère. Vous restez l'œil comme ça. C'est que le prophète dit ici. Vas-y. Vous n'utilisez pas le filtre d'un homme qui réfléchit. Vous n'utilisez pas le filtre d'un homme qui réfléchit. En effet. Quand vous faites ça. Vous commettez un adultère. Car le filtre dit. Vas-y, frère. Deux points. Vas-y, frère. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Le paragraphe 94. Vas-y, frère. Dis rapidement, frère. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Vas-y, frère. Homme qui réfléchit. Détourne la tête. Un homme qui réfléchit détourne la tête. Vas-y, frère. Éloigne-toi d'elle. Elle n'est pas jolie. Elle est un serpent. C'est vrai. Elle se tortille comme un serpent. Elle agit comme un serpent. Elle mord comme un serpent. Évite-la. Voilà pourquoi nos soeurs ne doivent pas imiter ces choses. Vas-y. Oh oui. La parole de Dieu est le filtre d'un homme qui réfléchit. La parole de Dieu est le filtre d'un homme qui réfléchit. Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons. Bon, on va lire une dernière quotation. Il y en a tellement, mais bon, je veux juste dire une dernière quotation. Je vous ai promis. Je fais une promesse aujourd'hui. Je vais la tenir. Il y en a que là. 135. 168 à 170. C'est la dernière.
Souvenez-vous, Satan a fait le premier tour dans l'esprit d'Ève. Satan a fait le premier tour dans l'esprit d'Ève. Vous voyez, il parlait de sa pensée. Donc, la porte de l'esprit, c'est la pensée. C'est pas la pensée que la chose se passe. D'abord, vas-y, frère. Il a fait le premier tour dans l'esprit d'Ève. Dans l'esprit d'Ève. Ou dans sa pensée. Dans sa pensée. Pour y faire passer le goût de sa sagesse. Pour y faire passer le goût de sa sagesse. Et de sa connaissance. Là, de la connaissance du mal. Vas-y, frère. Maintenant. Réfléchissez à ceci. Je vais terminer. Satan y a fait le premier trou. Satan y a fait le premier trou. Parce que tout ce qu'elle pouvait puiser, c'était la parole. C'était son armure que Dieu lui avait donnée. Et c'est la même armure qu'il nous donne à chacun d'entre nous. L'épée du salut qu'il nous donne. Vas-y, frère. C'était l'esprit qui passait à travers la parole de Dieu. Vas-y, frère. Puisqu'elle a déclaré. Vas-y. Deux points. Tant qu'on respirera à travers le filtre, à travers la parole de Dieu, on ne mourra jamais. Rien de toxique ne pourra entrer dans nous. Vas-y, frère. Mais si on prend une bouffée de tout ce qu'il y a dans le monde, on mourra. Vous voyez, des fausses doctrines, des maquillages et de toutes ces choses semblables qui sont dans le monde, on meurt. Et Satan a dit, deux points. Mais Satan a dit, vas-y. Mais tu ne connais rien de ce qu'il y a ici. Tu ne connais rien de tout ce qu'il y a ici. Mais tu n'as qu'à goûter un peu. Tu n'as qu'à goûter un peu. À ceci. Et alors tu connaîtras. Mais vraiment, de prendre tout. Il goûte un peu. Il sait. Dès que tu enlèves le filtre, dès que la chose commence à rentrer, si tu te prends garde, ça va féconder ton esprit. Et prendre tout le contrôle de tes sens. Et te voici dans une position très délicate. Vas-y, frère. Et alors tu connaîtras. Tu seras comme Dieu. Tu vois. Il connaît le bien et le mal. Toi non. Alors. Vas-y. Si tu goûtes un peu à ceci. Et. Vas-y. Elle l'a laissé. T'as quel paragraphe? 170. Je pense qu'on va s'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et tout à l'heure, je parlais d'une situation. Mon frère, le pasteur Denis va certainement revenir là-dessus. Mais, il y a une situation.